Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Eliala, comment allez-vous? Moi je vais super bien et aujourd'hui on se retrouve pour mon émission 100 000 litres combo consacrée à Tekken 7, le guide débutant, comment se déplacer dans Tekken. Alors il est vrai, lorsqu'on est débutant, il est difficile de se déplacer dans Tekken, on ne sait pas comment faire, on reste statique. C'est ce que je remarque le plus souvent quand je regarde des vidéos de personnes qui jouent en ligne, qui font des tournois, tout ça, qui sont débutantes, qui connaissent pas réellement Tekken. Ils restent statiques, ils attendent qu'on leur donne des coups, puis ils essaient d'enchaîner leurs coups, ce qui est une solution en soi, mais ce n'est pas la meilleure de solutions. Dans Tekken, il faut apprendre à apprécier la distance, à provoquer le destin, comme on dit, et à provoquer l'erreur de son adversaire avec ses déplacements, ses mouvements, pour ouvrir sa garde. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les déplacements de base. Il y aura quelques déplacements avancés, mais bon, pas trop, je ne pense pas, parce qu'il faut déjà comprendre les déplacements de base, comment les bien utiliser. Donc on va parler ici tout simplement de votre choix de côté, qui est une influence très pondérale, on va dire, sur votre façon de jouer. Après, ensuite, je vous parlerai des dash et je vous parlerai des side step, du side walk. Et pour finir, on parlera du wall jump. Alors, c'est quelque chose que peu de joueurs utilisent dans le jeu parce que c'est pas très rentable, mais je vais vous en parler tout simplement parce que c'est présent dans le jeu et je veux vous donner toutes les armes possibles et imaginables pour vous en sortir en tant que débutant sur Tekken, même celles qui sont très peu utilisées parce qu'elles sont pas réellement très très viables. Donc j'espère que ce programme vous fera plaisir. Bon, c'est parti, on va parler un peu des choses les moins marrantes qu'on doit connaître un peu sur Tekken, surtout Tekken 7. Alors, le choix de côté, c'est quelque chose de très important et de très primordial dans Tekken, même si dans ce set, il est un peu moins, tout simplement parce que Arada a mis en place un système qui permet à votre adversaire en ligne de choisir lui aussi de jouer à gauche, même si vous jouez à gauche, de jouer à droite, même si vous jouez à droite. Donc, il n'y a pas réellement d'incidence dans le combat à ce niveau-là. Mais pour vous, c'est quelque chose de très primordial, tout simplement parce que ça va conditionner votre façon de vous battre. Et oui, les enfants, beaucoup de gens ne le savent pas, peut-être, mais je vous donne l'information ici. Par exemple, si vous êtes habitué à jouer à Tekken du côté gauche, vous allez être beaucoup plus offensif, vous allez utiliser beaucoup plus de combos, vous allez enchaîner les combos, vous allez prendre l'initiative sur votre adversaire, vous allez essayer de prendre l'initiative plutôt sur votre adversaire, alors que si vous êtes côté droit, vous allez être sur la défensive et vous allez avoir tendance plutôt à utiliser des gros coups pour en terminer rapidement avec le combat. C'est très important de connaître votre façon de jouer selon votre positionnement à gauche ou à droite. C'est très très important à ce niveau-là, ça change tout le combat. C'est pareil pour votre adversaire, vous allez faire un round, vous allez voir que voilà, votre adversaire, premier round, va être très offensif, il va vous attaquer, il va être agressif, tout ça. Deuxième round, qu'est-ce que vous allez essayer de faire? C'est de changer de côté, de le changer de côté pour voir comment il réagit. Si vous voyez qu'il est sur la défensive, bah, c'est good point pour vous. Vous allez, il faut aussi que vous soyez chaud aussi du côté droit quand vous changez de côté, mais vous savez qu'il est sur la défensive, donc vous pouvez l'avoir à ce niveau-là, au niveau du mind game, au niveau de votre stratégie. Donc c'est très important de savoir. Ici, si à gauche vous êtes offensif ou défensif, si à droite vous êtes offensif, si vous êtes défensif. Donc c'est l'une des premières choses à savoir dans le jeu. Moi je suis plutôt gauche, côté gauche, donc côté gauche je suis beaucoup plus offensif que côté droit. Hop, après ça s'équilibre. C'est-à-dire que si vous vous entraînez souvent côté droit, au bout d'un moment vous allez réussir à faire ce que vous faisiez côté gauche, côté droit. Et vous avez vice versa, vous avez des techniques qui sortent plus facilement côté gauche que côté droit ou inversement. Par exemple, moi, le EWF, le coup de poing électrique de Kazuya, Heihachi ou Jin, il sort plus facilement du côté droit que du côté gauche. Donc voilà. Après, hop, on va prendre Nina, on va prendre Shuayu à ce niveau-là. Voilà, c'est très important. Ça vous permet de savoir votre état d'esprit. En fait, ça jauge votre état d'esprit à ce moment-là. Donc on va parler ici des stages, des niveaux. Alors, il y a plusieurs niveaux différents, il y en a 21 et chaque niveau a sa particularité. Ici, vous voyez en dessous, donc à gauche, vous avez le plan du niveau, à savoir la taille du niveau, comment est structuré le niveau. Donc ici, en dessous du plan du niveau, vous avez
des icônes qui vous indiquent ce qui se passe dans le niveau. Vous avez l'icône bleue qui veut dire stage étendu infini. Il n'y a pas de mur, c'est-à-dire tout simplement, il n'y a pas de mur. Le deuxième icône, le rouge, veut dire que c'est cloisonné. Donc ici, le Mishima Dojo est cloisonné et n'a pas de mur destructible. Le vert veut dire balcon destructible. Quelque chose comme ça, que vous pouvez tomber ou avoir un mur destructible plutôt. Ouais, les deux, balcon et mur, ça dépend parce qu'il y a des niveaux où vous avez juste un mur qui est destructible et vous n'avez pas le rebound au sol qui vous amène à un autre niveau. Et vous avez le jaune qui vous dit sol destructible et le orangé ici qui vous dit que le mur est destructible, le mur est destructible et vous pouvez tomber du balcon, tomber plus bas en fait et avoir un rebound pour votre combo. Rebound, c'est-à-dire que votre personnage il tombe au sol et qui rebondit et vous pouvez enchaîner votre combo. Ici donc vous avez des stages qui sont comme ça, par exemple le Forget Realm. Vous avez le sol qui est destructible, je crois, 5 fois. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 niveaux, je crois. Vous voyez ici sur le plan, c'est marqué. Vous avez 4 niveaux différents. Donc vous tombez de 4 niveaux, c'est assez marrant à ce niveau-là. Ici, le Jungle Outpost, vous avez un balcon. C'est marqué Balcony Break. Vous pouvez casser le balcon. Vous tombez. Et une fois que vous tombez du balcon, vous avez un mur destructible sur le stage qui se retrouve au niveau au-dessus, en fait. Au niveau en dessous plutôt. Voilà, c'est comme ça qu'on lit les stages. Ici, c'est un stage infini. Vous voyez ici, infini, il y a le symbole de l'infini. Ici, vous avez le balcon qui est destructible et vous pouvez tomber. Ici, donc, pareil que le Mishima Dojo, vous avez que les murs sont cloisonnés, donc vous ne pouvez pas péter les murs. Ça permet de faire des wall combos. Voilà, tout simplement. Et il faut connaître l'environnement dans lequel on va se battre, tout simplement, pour avoir une incidence sur le combat. Par exemple ici, vous savez que les murs ne sont pas destructibles. C'est-à-dire que si vous êtes pris dans un coin, vous enchaînez, vous faites des wall combos, vous tapez jusqu'à que mort s'en suive, tout simplement. Ici, pareil pour le souk. Ici, vous avez au début le Devil Pit. C'est-à-dire qu'au début, vous avez... c'est cloisonné, mais au deuxième round... ici ou deuxième ou troisième ou au round final, le sol se break, se casse et vous arrivez sur un stage infini. Bon, c'est des choses à savoir. Ici c'est pareil, on va pas s'éterniser là-dessus. Ici par exemple, Duemo di Siro, là les murs sont cloisonnés, mais vous avez un balcon qui est cassable qui se trouve en bas. Et donc ici il sera à votre droite. Si vous êtes du côté gauche, il sera à votre droite et vous avez la possibilité de tomber du balcon pour faire un rebound. Ici c'est cloisonné. Ici, c'est cloisonné, mais vous avez des murs sous le côté qui sont cassables. Vous voyez ici sur l'image, la vitre, les vitres là, elles sont cassables. Ça extend, c'est-à-dire que ça augmente le stage en fait. Le stage, il devient complet, sinon il est fermé en forme de prisme là. Et après, ça augmente le niveau en fait, tout simplement. Mais vous tombez pas, il n'y a pas de rebound, des choses comme ça. Donc, c'est des choses à prendre en compte, hein. Ce sont des choses à prendre en compte ici. C'est à vous de voir tout simplement... que font chaque stage et de tester les possibilités. Comme je l'ai dit, chaque possibilité ici, c'est pour quand c'est des murs comme ça fermés, vous pouvez faire des wall combos à l'infini, ou vous pouvez faire des rebounds quand les murs se cassent et que vous pouvez tomber dans le vide. Donc on va choisir le niveau ici. Il est où ce niveau? Attends, j'ai passé ce niveau, le niveau chez l'italien là. Où es-tu? Que fais-tu? Voilà, Duomo di Sirio. Et on va se retrouver pour le deuxième point de cette vidéo. Alors dans cette deuxième partie, nous allons nous concentrer sur ce qu'on appelle les dash. Alors qu'est-ce que sont les dash? Ce sont des pas rapides pour avancer vers son adversaire, ou pour reculer, pour prendre de la distance par rapport à son adversaire, qu'on appelle un backdash. Donc, c'est pas très marrant à connaître, mais c'est très utile à savoir faire dans Tekken, parce que ça fait partie intégrante du gameplay. Ici, on va avoir des dashs simples, sans pression. De toute façon, il n'y a pas besoin de connaître des mille et une dashs. Oh là là! Des mille et une dashs à ce niveau-là. Donc, on va commencer tout simplement par le dash avant.
Je vais vous montrer ça visuellement, à quoi ça ressemble avec Liang Zhaiyu. Donc quand vous commencez un combat, vous êtes à peu près à cette distance. Vous êtes à cette distance. Ça ne vous permet pas de donner un coup de poing direct, ni de donner un coup de pied. Un coup de poing direct, normalement. Mais par exemple avec Xuayu, là juste un exemple. Si vous appuyez sur croix, en fait, elle fait un dash avant et elle donne son coup de pied. Donc voilà, tout simplement, regardez ici, hop. Voilà, c'est un coup spé de Xayu qui a ses propriétés spéciales. Mais on verra ça plus tard, on va pas s'embrouiller avec ça. Donc on parle des dashs. Donc avant de parler du dash avant, je vous parle un peu du déplacement dans Tekken. Vous appuyez sur avant, donc votre personnage avance comme ça. Vous faites arrière, votre personnage va se taper sur arrière, votre personnage recule comme ça. Si vous appuyez brièvement sur avant, voilà, ça fait un petit pas comme ça vers l'avant. Si vous appuyez deux fois sur avant, ça fait un dash avant. Donc voilà. Il n'y a pas de dash cancel dans ce jeu. Donc, si vous faites un dash avant, faites gaffe parce que vous n'avez pas la protection. Donc, vous pouvez prendre un coup, un peu vous enchaîner directement avec des jabs, en fait. Ou un mid, donc high mid. Donc, faites attention. Quand vous faites un dash avant comme ça, appuyez directement sur arrière, comme ça, hop, pour mettre la garde. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner si vous faites un dash avant. Et là, en fait, mine de rien, je viens de vous donner... Un des premiers dashs les plus importants de Tekken, c'est aller en avant, c'est faire un dash en avant et reculer, faire arrière pour se protéger, pour ne pas se prendre de coups. Alors, ce qu'il faut savoir, donc ici, on va se rapprocher de l'adversaire, on va faire le dash arrière. Dash arrière, vous n'avez pas besoin d'en faire 10 000 comme les Coréens, hein. C'est des spécialistes, 2 ou 3 dash arrière suffisent. Donc vous faites 2 fois arrière, 2 fois arrière, 2 fois arrière, voilà, ça fait 3 dashs. Ce qu'il faut savoir, c'est que un dash avant correspond à 2 dash arrière. Donc si par exemple, votre adversaire vous attaque, donc on dit qu'elle fait 1-2-1-2, c'est-à-dire carré-triangle, vous faites 2 dash arrière pour l'esquiver. Voilà, 2 dash arrière pour l'esquiver. Mais elle, il suffit de faire un dash avant pour arriver vers vous. Donc attention, c'est pour ça que je dis 2 ou 3 dash, ça suffit. C'est ça, il faut vous entraîner, voilà, c'est la méthode. Il faut vous entraîner à faire ça, à apprécier la distance avec votre adversaire. Donc ici, vous êtes à côté de votre adversaire, 2 dash arrière. Voilà, donc il faut apprendre à les faire de manière fluide, 2 dash arrière ou 3 dash arrière. Donc voilà, c'est ça, votre entraînement d'aujourd'hui sur les dashs. Faites 2 dash arrière, 1 dash avant, 2 dash arrière, 1 dash avant, 2 dash arrière, 1 dash avant, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous dashez en arrière comme ça, vous avez la protection qui est mise automatiquement. En fait, vous l'enclenchez automatiquement sans vous rendre compte, puisque vous appuyez sur arrière au niveau du mid, au niveau du high. C'est-à-dire que si elle tape au niveau du milieu de votre corps ou au niveau de la tête, vous serez protégé. Si elle tape en bas, vous ne serez pas protégé, il faut se baisser. Donc à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes loin comme ça dans Tekken, vous avez la course. Donc la course, c'est 3 fois avant. Voilà, il vous reste appuyé, donc ça fait la course et vous faites un coup comme ça, un coup puissant sur votre adversaire. Mais ça n'existe pas, en restant appuyé, ça n'existe pas la course arrière en fait dans le jeu, ça n'existe pas du tout. Donc voilà, hop, vous pouvez annuler, vous pouvez cancel votre course très facilement en appuyant sur arrière en fait. Si vous voyez que votre adversaire se déplace sur le côté, vous pouvez courir, hop, et annuler votre course. Quoi que je disais qu'il n'y avait pas de dash cancel, mais en fait, si, il y en a, mais... vous pouvez pas le ressentir comme ça en fait, comme un dash cancel. Donc vous courez, tac, vous voyez votre adversaire va vous donner un coup, hop, vous arrêtez directement en appuyant sur arrière. Très simple, très pratique. Donc votre entraînement consiste à quoi? Dash avant, 2 dash arrière, dash avant, 2 dash arrière, dash avant, 2 dash arrière, ou 3, hop, dash avant, voilà. Ça permet d'avoir ici, d'apprécier la distance avec votre adversaire. Voilà, pour les débutants, c'est simple, c'est ce qu'il faut travailler en priorité, votre déplacement ici en dash. Voilà. Donc je récapitule, le dash avant ne vous protège pas, c'est-à-dire que si votre adversaire combotte, vous fait des coups, vous allez prendre les coups. Pour vous protéger, il faut dès la fin, avant la fin de votre dash, appuyer sur arrière. Voilà, tout simplement, à retenir, le dash arrière ici, il vous protège, sauf en low. Et ici aussi, ça ne protège pas en low, donc il faudra essayer de se protéger en bas. Mais on va voir ça au fur et à mesure des guides. Donc ici, on a parlé des dashs avant, dash arrière, la course, comment cancel sa course, tout ça. Il y a des personnages qui ont des techniques personnelles,
de dash, on va dire, de dash arrière. À savoir, Lian Xuyu et Xuyu, comme vous voulez, on l'appelle Lian. Et comme Master Raven. C'est-à-dire qu'ici, Xuyu, elle peut ici, hop, faire une pirouette arrière, un salto arrière. Pas un salto, comment ça s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle ça. Mais elle peut s'évader comme ça à l'arrière en faisant haut, diagonale haut, arrière. Donc haut, diagonale haut, arrière. Donc Master Raven là aussi, je crois que celui de Master Raven est beaucoup plus rapide. Donc ça vous permet de vous échapper plus rapidement, puisque regardez ça, c'est assez... Le dash arrière en fait de base est assez lent, voilà, vous voyez. Alors que ça, c'est assez rapide et ça vous fait environ... ça nous fait quoi? Ouais, ça nous fait reculer depuis... Voilà, ça nous fait reculer de 3 en fait. De 3, parce que quand vous faites un dash avant, il reste l'espace pour avancer une fois en fait, avec la croix. Donc là, il y a des personnages qui ont ces mouvements-là, mais j'ai pas testé sur tous les personnages, donc il y a que Joyeux qui l'a, et il y a Master Raven, après je sais pas les autres. Donc vous devez vous entraîner ce mouvement-là, attendez, parce que si je vous donne et que vous utilisez comme ça au pif, ça va être hyper dangerous. Hein. Donc ce mouvement-là, en fait, l'utilisez jamais quand vous êtes près de l'adversaire. Oula, j'arrive plus à le faire. Voilà, n'utilisez jamais quand vous êtes près de l'adversaire, parce que si l'adversaire vous fait un combo, en fait, vous n'avez pas de protection, en fait. Et là, cette partie vous enchaîne. Utilisez-le après avoir fait un dash, par exemple, vous tapez, elle se protège. Donc vous faites dash arrière, si vous n'êtes pas serein et que vous voyez qu'elle avance, hop, vous faites ce mouvement-là, je sais pas comment il s'appelle. Désolé, une pirouette arrière, j'en sais rien moi. Vous faites ce mouvement-là pour prendre encore plus de recul. Donc tous les personnages n'ont pas ce mouvement-là, c'est pour ça qu'il faut essayer de regarder avec chaque personnage le mouvement qu'il a. Donc votre entraînement, c'est ça votre entraînement. Hop, dash avant, tac, on reprend la distance, on frappe, hop, on recule, on frappe, hop, on recule. On frappe, hop, on recule, on frappe, hop, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Voilà, c'est ça la base pour les débutants, c'est apprendre à utiliser ces dashs-là, apprendre à reculer quand il faut. Ça vous permet d'apprécier la distance, reprendre vos reculs, réfléchir à votre nouvelle stratégie, savoir ce que vous allez faire à ce niveau-là. N'oubliez pas que votre adversaire aussi peut le faire. Ce dash avant et vous rattraper très rapidement. C'est pour ça que je conseille maximum 3. Ça rend de faire 18 arriver à la fin de la map. Si vous en faites 3, vous en faites 2 et que vous n'êtes pas serein et que vous avez un personnage qui a cette pirouette, vous pouvez l'utiliser sans pression. Donc à ce niveau là, on a un peu vu tous les déplacements de base de Tekken à ce niveau là. On va passer à la troisième partie qui parlera ici du side step et du side walk. Respirez mes amis, on arrive bientôt à la fin de ce guide débutant sur Tekken 7. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette troisième partie? On va voir ce qu'on appelle les side step et les side walk. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Donc on va commencer par le tout basique side step. Alors moi je vais dire des steps simplement puisque c'est long, side step. Side se dire côté et step se dire pas. Ce sont les pas de côté, ça existe depuis Tekken 2. Mais il y avait qu'un seul personnage qui pouvait le faire, c'était Kazuya, puisque c'est une de ses marques, en fait, à Kazuya, en fait, il a un step gratuit, on va dire. Et c'est à partir de Tekken 3, en fait, que ça a été vraiment intégré, tout ce qui est side step, tout ça, et side walk, à ce niveau-là. Donc, je vous donne un peu d'informations quand même, pour vous montrer que j'ai fait des recherches, non, parce que j'ai beaucoup joué aux Tekken, c'est pour ça que je sais à quel moment chaque chose a été implémentée dans le jeu, dans le gameplay. Donc, le step, alors c'est quelque chose d'assez simple à faire dans le jeu. Hein. Il suffit d'appuyer brièvement sur la flèche du bas, comme ça, hop, brièvement sur la flèche du haut. Voilà, c'est ça, les steps sont les pas de côté. Alors, ça vous permet de faire quoi ici? Comme vous pouvez voir, quand je les enchaîne ici, je me rapproche tout doucement de l'adversaire, en fait, en faisant le serpent, on va dire, le zigzag. On s'approche directement de l'adversaire, mais doucement. Donc voilà, assez simple à faire. Hein. Il suffit juste petite pression vers le haut, petite pression vers le bas. La flèche du bas, ça permet d'aller ici à droite. La flèche du haut, ça permet d'aller à gauche. Alors ça a son importance parce que selon le pied ou la jambe que votre adversaire va utiliser, le side step sera plus efficace. Ok, donc c'est quelque chose que vous devez retenir. Par exemple,
si elle tape avec sa jambe gauche, je crois que le CS-step est plus efficace à gauche, je crois. Ouais, à gauche. Attendez, à gauche ou à droite? Je sais plus, mais il est plus efficace d'un sens ou d'un autre. Donc voilà, vous serez. Je crois que c'est à gauche, vous arrivez quasiment sur son flanc, alors qu'à droite, vous serez comme ça, ouais. Voilà, vous serez comme ça ici. Ça utilise sa jambe gauche en fait. Ça utilise sa jambe droite. Bah, ça va être l'inverse. Vous serez sur son flanc en fait, ici, parce qu'elle est obligée de faire son mouvement. Je vais vous montrer parce que j'ai enregistré le mouvement. Donc voilà, je lui ai enregistré le mouvement deux fois avant croix. Deux fois avant croix qu'elle va faire là ici. Voilà. Donc elle tape avec le pied gauche. Donc avec le pied gauche, elle est obligée de se mettre en position pour frapper avec le pied gauche. C'est-à-dire que son flanc droit, il est tout ouvert en fait. Elle a pas de protection à ce niveau-là. Si on était en boxe, mon gars, elle se prend un petit crochet là. Elle en peut plus. Elle vomit tout ce qu'elle a. Donc ici, je vais essayer de me rappeler le rythme que je lui ai mis au niveau du cou. Donc, je crois que c'est 5 secondes. T'as toutes les 5 secondes. 3, 4. Non, je suis parti trop tôt. 1, 2, 3, 4. Parce que c'est assez chaud à placer. Ça, c'est pour les mecs super chauds en fait. Faire des esquives avec des steps comme ça. C'est assez compliqué dans le jeu. Les Coréens, les pros, ils arrivent à le faire et tout en plein combat. Mais ça demande des heures et des heures et des heures d'entraînement, hein, franchement. Parce que tous les coups sont différents. Mais comme j'ai dit, tous les coups linéaires comme ça, en fait, qui sont pas circulaires, vous pouvez les esquiver en faisant un sidestep. Mais ça reste difficile dans la manœuvre à faire. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'est un des mouvements de base de Tekken. Attendez, on va essayer de se concentrer pour réussir au moins une fois à esquiver ça. Non, je suis parti trop tôt. 3, 4. J'ai sauté. Bon, vous pouvez esquiver en sautant aussi, mais bon. Ah, j'étais parti, mais trop tard. Bordel, qu'est-ce que c'est compliqué quand tu veux montrer quelque chose et que rien ne se passe comme prévu, ça devient presque absurde. Donc j'ai dû faire ça un petit peu en off et tout pour avoir le bon timing, tout ça, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne de faire des steps dans le jeu pour esquiver les coups. Ici, on va passer à la partie B, à savoir le sidewalk. Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que le step. Pourquoi c'est la même chose? Parce qu'il se fait... pareil, sidewalk, c'est marcher autour, turn around, autour de son adversaire. Tout simplement, vous le faites comment? Vous appuyez deux fois sur la flèche du bas ou deux fois sur la flèche du haut, comme ceci, et vous restez appuyé et vous tournez autour de votre adversaire. C'est comme le step en fait, ça se rapproche petit à petit de votre adversaire. Voilà, vous tournez autour et vous vous rapprochez petit à petit de votre adversaire. Voilà, donc ça a les mêmes propriétés, ça a les mêmes défauts. Pas les mêmes propriétés plutôt. Ça fait la même chose quasiment et c'est le même défaut, c'est-à-dire que si Nina Williams décide de me donner un coup circulaire ici, je meurs, hein. Je me prends le coup et c'est fini pour moi. Il faut savoir que les Coréens et les joueurs pro, surtout les Coréens, ils arrivent à faire un side step comme ça, un sidewalk plutôt, et en même temps se protéger. Je sais pas comment ils font. Ils passent des heures et des heures en entraînement, donc c'est des champions. Il faut avoir des réflexes de cinglé pour faire ça. Donc voilà à quoi ça sert le sidewalk. Alors je lui ai mis un petit combo là à Nina pour vous montrer un petit peu ce que ça donne finalement en vrai. Donc je vais essayer d'avoir le bon timing, tout ça. C'est compliqué quand en vidéo de montrer des choses et que ça ne veut pas fonctionner. Donc je vais donner un combo 1, 2, 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3 ou si vous préférez carré, triangle, croix. Donc voilà, ça finit avec le genou gauche. Voilà, donc on y va. J'essaie de prendre le tempo.
parti trop tôt. Je suis parti trop tard. Je me suis baissé, je me suis trompé de manip. Je suis parti trop tôt. Parti trop tôt encore. Ah ouais, c'est de l'entraînement, hein, les gars. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à faire un. Parti trop tôt. Parti trop tôt encore une fois. Voilà. Hop, vous arrivez derrière. Hop. Voilà, c'est... Il faut prendre le coup. Il faut avoir le bon tempo. Il faut avoir le bon rythme. Il faut savoir que là, au moment où elle va taper, où elle va donner son coup de poing, vous pouvez partir. Je suis parti trop tard, trop tard. Je suis pas parti du tout. Je savais qu'elle allait frapper à ce moment-là. Là, je suis parti trop tôt. Ah, c'est... Je fais des esquives que je voulais pas faire. Bon, en tout cas, vous voyez vous voyez ce que ça donne, en fait. Voilà, vous pouvez... Vous pouvez comme ça... hop, tourner autour de votre adversaire. Et le mieux, c'est de tourner quand... Voilà, hop. Là, j'ai fait un step, après j'ai fait un... En fait, je lui ai fait un step. Après, je lui ai fait un walk... un side walk. Je fais un step comme ça, hop. Voilà, vous voyez, je peux faire un side walk. Je peux faire un side walk ici et enchaîner avec un step sur le côté. Mais après, c'est selon votre expérience, en fait. Une fois, à un moment, vous allez comprendre les propriétés de chaque attaque. Ça vous permet comme ça d'esquiver. Je vous montre. Finalement, ce que ça donne, en fait, puisque là, attendre le coup à chaque fois, c'est terrible quand t'as pas l'habitude. Donc, il faut savoir que les coups, ils traquent, c'est-à-dire qu'ils vous suivent. Donc là, vous conditionnez votre adversaire à aller vers là, et hop, vous changez de direction, en fait. Il vous suit des yeux, et hop, vous changez de direction au moment où il s'y attend le moins, comme ici, là, hop. Voilà, vous avez vu, j'ai enchaîné step et side walk. Voilà. Et après, ça demande de l'entraînement pour bien maîtriser ce déplacement. C'est un déplacement assez avancé, hein. Bon, ça suffit, Nina. Donc, c'est un déplacement assez avancé. Donc, voilà, j'ai terminé pour cette... Cette troisième partie, on va passer à la quatrième partie qui nous parlera du wall jump. Ah oui, il y a un wall jump dans le jeu. Donc je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Quatrième et dernière partie, on va parler des wall jumps. Bien sûr qu'il y a des wall jumps dans Tekken. Alors, c'est un mouvement que quasiment personne n'utilise parce qu'il n'est pas très rentable. Parce que vous pouvez être puni assez facilement. Mais je voulais vous le faire découvrir parce que quasiment personne ne le connaît. Et puis, bah voilà, je vous montre toute la base, toutes les bases de Tekken, tout ce qu'on peut trouver dans Tekken. Donc... Le wall jump à la Mario ou le wall jump dans les films de Kung Fu où le mec s'appuie sur le mur pour faire un salto ou faire un coup. Donc ici, ce que je vais faire pour vous montrer, premièrement, je vais vous montrer le wall jump de notre cher ami. Action répétée, on va faire enregistrer ici, enregistrer Nina Williams. Parce que, alors, tous les personnages quasiment ont un wall jump, c'est-à-dire qu'ils prennent appui sur le mur. Pour se sortir du mur, là elle est coincée contre le mur, Nina. Normalement ici t'es en panique parce que tu vas te faire défoncer et tout, t'as pas le choix, c'est la misère, tu sais que tu vas être KO, tu vas être mis par terre, le mec va t'enchaîner, tu vas vomir, tu sais pas quoi faire. On connaît tous ces situations. Donc quasiment tous les personnages ont un wall jump. Jessek et Lisa, elle en a pas, c'est bizarre, je sais pas pourquoi.
Mais Elisa, la vampire, elle n'a pas de wall jump. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce moment-là. Donc, c'est facile à faire le wall jump. Voilà, vous voyez. Hop. Alors, vous pouvez vous demander, je sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est quoi cette lumière bleue? C'est le temps de récupération après chaque coup de, des personnages. C'est-à-dire que je tape là, hop. Voilà, vous voyez un petit peu le recovery, en fait. La récupération après un coup, pour savoir si vous pouvez continuer à attaquer ou vous devez attendre. Donc, je vous remonte le wall jump, voilà. On va pas avec Nina, hop, quand l'adversaire est loin comme ça, elle peut toucher en fait en... Alors, en salto, salto arrière, elle peut toucher, voilà. C'est quelque chose que, bon, quasiment personne n'utilise, mais je voulais vous en faire part. Parce que ça fait partie du gameplay quand même, à ce niveau-là. Donc, quand l'adversaire est proche, bah, vous allez derrière lui, et quand l'adversaire est loin et à mi-distance, on va dire, vous lui faites des dégâts. Alors le problème, c'est que ces dégâts-là, vous pouvez les parer en fait. C'est pas un coup invincible. Ça aurait été intéressant si, quand vous faites ça, ça fasse un coup invincible en fait. Et le problème, c'est que ce n'est pas du tout le cas. On va faire retour. On va prendre Yan Zhuayu. Donc c'est pas un coup invincible, donc c'est pas très intéressant à utiliser. Donc je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc vous appuyez deux fois arrière, hop, et diagonale haut, arrière. Donc voilà, deux fois arrière, diagonale haut, arrière. Voilà, tout simplement, ou une fois arrière, mais moi je préfère appuyer deux fois. Je préfère appuyer deux fois, parce que si j'appuie qu'une seule fois, vous voyez, elle est contre le mur et elle saute. Donc je fais deux fois arrière, hop, voilà. Elle aussi, elle fait un salto arrière. Mais vous avez des personnages qui donnent des coups de pied. Hein, qui donnent des coups de pied ou des coups de poing. Ça dépend du personnage à ce niveau-là. Je vais changer juste pour vous montrer. Sélectionner un personnage. Choix du personnage. Donc, nous revoilà ici avec Kazuya. Pour vous montrer avec d'autres personnages. Vite fait. Voilà. Et Kazuya, en fait, lui, il donne voilà, un coup de pied sauté. Bah, exactement comme celui-là ou celui-là. Voilà, et le problème, comme je vous ai dit, ce sont des coups qui ne sont pas invincibles. C'est-à-dire que le mec, il peut se protéger, donc c'est pas très très rentable de les utiliser. Mais comme je vous ai dit, je voulais vous en informer que ça existait dans le jeu, en fait, voilà. Voilà, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a fait dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, on va mettre Brian en garde debout, voilà. Donc je poke, qu'est-ce que je vous ai appris? On va se remettre ici. Donc qu'est-ce que je vous ai appris dans ces vidéos concrètement? Je vous ai appris à faire le dash avant. Donc vous arrivez, vous tapez, ça se protège, dash arrière, trois fois peut-être si vous voulez. Kazuya il n'a pas de pirouette arrière là. Et vous faites deux fois avant ça fait un dash avant, vous tapez, voilà. Vous avez ici ce que je vous ai appris, le step, voilà, et le side step, voilà. Voilà ce que je vous ai appris. Kazuya, je vous ai dit, il a un step spécial en fait depuis Tekken 2, c'est-à-dire que vous appuyez juste sur avant en fait, lui il step sur le côté. Hein, ça c'est Kazuya, le mec il est magique, il est magique, donc voilà. Je vais vous faire un petit résumé vite fait de comment je vous montrer comment je me déplace en combat. Donc en combat, je me déplace. Quand le combat commence, on est ici. Donc je vais mettre Brian en miroir aussi. Copier, parce que ça c'est marrant ça. On va mettre Brian en miroir. Donc on commence le combat. Soit l'adversaire attaque, soit il attaque pas. Mais ce que je commence directement avec... Voilà. Step ici, step arrière. Voilà. Double backdash, plutôt. Double backdash. Je prends un peu mes distances parce que je sais pas ce qu'il va utiliser comme coup. Donc ça peut être très intéressant de faire ça. Ensuite... Je commence à me rapprocher doucement en faisant ici des petits steps, voilà, comme ça. C'est de la danse, hein, Tekken. Je me rapproche, hop, hop, je me baisse, je recule, hop, je me rapproche, hop, tac, je frappe. Attends, je vais enlever l'effet miroir parce que, en fait, finalement, c'est pas si foufou que ça. Donc voilà, je me rapproche, tac, je recule, je prends des informations. Hop, des fois, je backdash, hop. C'est comme ça que... Bah, finalement, c'est comme ça que vous avez commencé à jouer à Tekken. Voilà, prendre des infos comme ça, hop. Bah, Kazuya, après, il a des coups spé. L'avantage, qu'est-ce que c'est? C'est que, hop, vous pouvez être en mouvement comme ça.
on va dire à Brian, vite fait, que je vous montre. On va demander à Brian. Action répétée. Répétée action, enregistrer coup. Voilà, on va lui demander de faire des low. Attendez. Hop. On va répéter. Hop. Non, j'ai pas choisi l'action répétée. Ah là là. On va lui demander de faire. C'est pas ça que je voulais qu'il fasse, mais c'est pas grave. Ah si, c'est, ça tombe bien. Faire ça et de faire un low. Ok. Tac. Et on va lui demander de faire son action. Voilà. Là, je recule, j'avance. Hop. Voilà, là, je me suis foiré. Mais. Voilà, hop. Ça vous permet. Ici. De voir à peu près comment ça fonctionne. Bon, après, c'est un peu faussé parce que je sais qu'il va faire un low en fait. Je sais qu'il va faire un low, mais par exemple, là, le middle, je dash, regardez. Attends, on va attendre qu'il fasse son low, là. Il fait ton low. Regardez, je dash, hop. J'appuie sur arrière, je dash, j'appuie sur arrière. Là, je sais qu'il va taper. Là, j'ai lâché moi ma protection. Là, j'ai mal dashé. En fait, c'est ça, hein. Après, il faut savoir que Kazuya, il a un dash spécial, c'est ça, là. Le dash wave, mais on verra ça plus tard. Ce qui permet de balancer des coups en fait. Balancer des coups plus rapidement, plus facilement. Ça permet de bien mixer en fait, de bien mixer ses coups en fait. Puisque ce dash là, il est violent. Hein. Le dash wave. Il n'y a pas que Kazuya, il n'y a pas que la famille Mishima qui l'ont. Il y a d'autres personnages qui ont leur propre dash wave. J'essaierai de vous montrer ça un peu plus tard. Donc voilà. Finalement, dans Tekken, voilà, vous allez reculer, avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, faire des steps, des sidewalk. Voilà. Après, vous voyez, là, je me prends des coups, mais en combat, je me prends pas autant de coups, en fait. Hein. Il faut savoir prendre ses distances, il faut savoir à quelle distance son coup frappe. Donc voilà. On va s'arrêter là, je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais à montrer. La vidéo était assez longue. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos guides pour débutants sur Tekken 7. La prochaine vidéo sera consacrée à la défense, comment bien défendre. Comment bien défendre sur Tekken ou comment se défendre sur Tekken. Et la suite, c'est comment se relever sur Tekken. On se défend, après on apprendra comment se relever une fois qu'on est mis au sol en fait. C'est la stratégie que j'ai dans mes plans d'action pour les tutos. En tout cas, moi je vous laisse ici. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Ça me fera réellement plaisir. Et si ça vous a aidé aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et ceux qui ont beaucoup plus d'infos aussi, qui veulent rajouter de l'information en dessous de la vidéo sur des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à le faire, ça peut toujours aider la communauté, c'est ce qu'il y a de plus important. Moi je vous laisse ici, je vous dis à très bientôt les amis, et n'oubliez pas, le bois ne rend pas les coups, mais votre adversaire, oui. Moi, ne rends pas les coups.